Goedemiddag, bonjour. Welkom op de persconferentie voor de wedstrijd van morgen tegen KV Mechelen voor de match de demain contre Malines. Vos questions, uw vragen. Frédéric. Coach, bonjour. D'abord prendre des nouvelles du noyau qui sera disponible, pas disponible. Je vais me tenir à ceux dont je sais exactement. Hier, Vincent et Cobalt ont fait l'entraînement complet. Donc, s'il n'y a pas de nouveautés aujourd'hui, ils seront disponibles. Sauf que Amouzou a quitté l'entraînement hier pour un problème au quadriceps. Et il fera une écho tout à l'heure. Donc, je n'ai pas encore le résultat. Et ça sera fait qu'à 1h15 ou à 1h30. Tous les autres, il n'y a rien de nouveau. Donc, Gerken nous a fait une partie hier, mais il ressent quand même toujours. Il y a quand même encore quelques problèmes. Bersiara est très loin, mais bon, c'est un peu juste pour ce week-end. Donc, on verra dans quelle mesure on peut l'intégrer dans l'un ou l'autre match la semaine prochaine, si ce n'est pas trop tôt. Et tout le reste, c'est en route. Donc, rien de nouveau ou de très proche pour le moment, donc ça en verra dans le courant de la semaine prochaine. Kemarou fait là aussi. Il va aussi refaire une écho cet après-midi pour voir où il en est. Ça, j'aurai plus de nouvelles après. Idem, volgende week kijken, deze week zeker niet. Volgende week verder kijken, die zit voorlopig bij Lieve. Er is een revalidatie te doen, zoals sommige anderen deels. Maar voor dit weekend komt hij niet in aanmerking. Coach, ik zou het appreciëren mocht je niet antwoorden. Wij kijken niet naar het klassement. Maar de uitslagen van de concurrentie waren misschien wel in jullie voordeel. Hoe bekijk je dat? Ik heb gisteren Genk zien een punt pakken, dat was niet ons voordeel. Hè? Ja, nee, ik kijk niet. We moeten alleen naar ons kijken. We weten wat we moeten doen. En dat is winnen en punten pakken en dat in de laatste vijf matchen. Dus de rangschikking kijken nogal dan niet. Omdat we het zelf niet in handen hebben. En dat we afhankelijk zijn van puntenverlies van de anderen. Die zullen zeker nog punten verliezen. Maar wij moeten eerst, en daar moeten we naar kijken, wij moeten eerst onze punten behalen en het maximum. En dat is duidelijk. Bonjour coach, on peut pressentir que Jovetić pourrait être dans le 11 demain, vu les absences et l'opération de Colasin. Est-ce qu'il est prêt à tenir tout un match? Est-ce qu'il y a un petit risque que ce soit trop tôt? Je ne sais pas, non, physiquement il a l'air ok, donc pas uniquement l'air, il fait tous les entraînements à haute intensité et autres. Il est clair qu'il n'a pas joué depuis longtemps, que ce n'est pas la même chose en entraînement et en match. Mais je ne crois pas qu'il y ait un problème physique. Ouais, ça se pourrait qu'après un bout de temps, son intensité diminue et que ses efforts soient moins intensifs ou moins répétés. Mais ça, c'est logique. C'est aussi normal. Si on n'a pas joué, pour le reste, il est en ordre et bon, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Et vous trouvez qu'il est toujours aussi impressionnant cette semaine que la semaine? Dans certains domaines, oui. Mais ce sont des domaines où on a besoin de plus. Donc, c'est très important. Sauf qu'il faudra aussi qu'on amène les ballons jusque chez lui. Donc, il va aussi être tributaire de la qualité autour de lui. Oui, Frédéric. Avant le match contre le Cercle, vous aviez dit que pendant la semaine, vous aviez trouvé les joueurs un peu pas assez concentrés, pas assez impliqués lors d'un entraînement. Ici, après la bonne prestation à Gand, vous avez l'impression, vous avez vu que cette fois, le groupe a été concentré et appliqué pendant toute la semaine à l'entraînement. Je crois qu'il y a une bonne évolution dans ce sens-là, où on prévient directement et on est très proche de l'intensité, de la qualité qu'on demande aux joueurs, et ça tous les jours. Il faut qu'ils sachent qu'à chaque jour, ils doivent devenir meilleurs, et chaque fois qu'ils quittent l'entraînement, le lendemain, ils doivent être meilleurs. Donc,
Ça a été très positif cette semaine. Il faudra qu'on mette encore une couche aujourd'hui. Ouais, on sait ce qui nous attend demain. C'est quand même un déplacement difficile et toujours difficile. Et même après le 0 sur 12, je crois que ce sera encore plus difficile. Mais j'ai vu quand même une évolution et pas du tout de laisser aller, au contraire. Donc ça, c'est une bonne chose. J'espère qu'on pourra continuer dans ce sens-là. Dans ce sens-là, un mauvais jour, ça peut arriver. Ouais. Mais pas trop souvent. Frank, je ben 2 keer in Mechelen geweest. Enfin, je hebt 2 keer in Mechelen gewerkt. Nu 0-12, maar ik neem aan dat je wel weet dat het een heksenketel zal zijn en dat ze het niet cadeau zullen geven. Ja, nee. Mechelen was eigenlijk het begin van mijn carrière. Hè. Dus dat was de eerste keer dat ik trainer werd of jeugdverantwoordelijke, of hoe je het ook noemt. Daarna teruggekeerd als trainer, maar om ze te redden. Hè. Meer om te redden dan voor iets anders. Dus het blijft heel goede herinneringen. En ja, het publiek is gewoon fantastisch. Dat weten we, dat kennen we. En het is een hele speciale sfeer. Ik denk ook dat ze daarop iets tegen anderen legt. Dan kunnen ze allemaal iets meer, dan willen ze allemaal iets meer. Dus we kunnen ze alleen onze spelers maar verwittigen voor hetgeen ons daar morgen te wachten staat. Dus dat zal duidelijk zijn dat in de goede zin van het woord het mes tussen de tanden zal zijn, maar in de goede zin van het woord, zonder daar agressief over te doen. Maar motivatie en kwaliteit en zullen wel zeker als het aanwezig zijn aan de overkant. Het is aan ons om daar een antwoord op te hebben. Coach, bent u het met mij eens als ik zeg dat het echt wel voorbij is voor play-off 1 als jullie dit weekend verliezen? Ik weet het niet, ik kan niet tellen. Ik kan niet goed tellen. Dus. Maar dan wordt het... Oh nee, het is nu sowieso al een moeilijke opgave, maar dan... Jullie kunnen je toch echt geen misstap meer veroorloven? Denk het niet, maar dat weten we niet. Hè. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik weet ook niet hoeveel punten Genk of anderen nog gaan halen. Dus... Ja, alles kan. Maar ik zeg het, we hebben het voor een deel in handen als we alles pakken. En dan moeten we nog altijd afhankelijk zijn van hetgeen de andere... die voor ons staan, vooral doen. Maar mathematisch, nee. Nee. Ik denk dat we alleen maar naar play-off 2 kunnen kijken als het zover is. En dan kun je een aantal dingen doen of een aantal dingen beslissen of werken in een richting van. Maar zolang dat niet het geval is, kunnen we dat gewoon niet maken en moeten we daar ook... Moeten we daar zelf niet aan denken? Moeten we blijven gaan voor hetgeen dat we willen behalen? Il y avait des bonnes choses à Gand. Il y a peut-être l'efficacité offensive qui a manqué un petit peu avec le nombre de situations dans le rectangle. Est-ce que c'est le plus gros problème de l'équipe pour l'instant de marquer des buts? Et est-ce que vous travaillez un peu plus là-dessus que sur d'autres aspects? Travailler parfois sur marquer des buts, c'est pas tellement facile. C'est souvent un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Il est clair qu'on peut travailler la finition, il est clair qu'on peut donner certains atouts ou certains plans aux joueurs pour s'améliorer. On est là aussi là pour ça. Mais c'est aussi, je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que je dis qu'on a un problème d'efficacité. Mais je dis l'efficacité, c'est tout le monde. Parce que pour moi, en arrière, il doit marquer 3-4 goals par an. Et un demi-défensif, il doit aussi marquer des goals. En 10, il doit aussi marquer un nombre de goals. Et c'est clair que souvent, les bonnes équipes ont un buteur aussi. Mais tout le monde doit être capable de marquer un goal. Donc cette efficacité, c'est un travail collectif. Et là, en effet, quand on voit le nombre de goals qu'on a marqués, on n'est pas chez les meilleurs. Alors que souvent, le champion, il est là, le premier au classement, souvent. Donc ça, c'est le travail qu'on a, mais c'est un travail et en même temps une recherche de gens qui ont ça d'une manière innée, qui ont un talent, qui sont doués pour marquer des goals. Et ça reste quand même important. On ne s'est pas entraîné tout le monde pour marquer des goals. Ça va s'améliorer, mais ils vont marquer 5 au lieu de 25. In die optiek een beetje, hoe zie jij de ontwikkeling van Jeremy Doko sinds je hier bent? Qua efficiëntie, qua acties?
Ten eerste is hem al veel efficiënter geworden, want in het begin deed hij hem niet mee. Omdat dat bepaalde redenen die hij ook heel goed kent. Ik denk dat hij nu andere stappen moet zetten. Maar hij is op de goede weg, hij heeft potentieel, maar hij heeft ook nog heel veel werk. En ik zou daar maar rustig bij blijven en voetjes op de grond. Heel realistisch. Het is een jongen met potentieel, maar waar ook nog veel werk aan is en die zeker en vast nog een marge heeft, een heel interessante marge zelf. Maar de weg is nog lang en hij moet ook nog bevestigen en zeker en vast iets toevoegen aan zijn grote kwaliteiten. Daar ben ik het helemaal over eens. Hij heeft daar al iets aan toegevoegd en dat is ook zijn verdiensten en dat was ook daarom dat hij misschien in het begin niet altijd meedeed. Dus dat heeft hij toegevoegd, de rest nu nog... Ja, een hele stap te zetten volgens mij. Dus ik ben daar meestal naar die jonge jongens toe vrij realistisch en ik lees een paar titels alleen maar. Ik ben daar geen voorstander van die zaken van de daken te roepen. Helemaal niet zelfs. Frank spreekt over aangeboren talent om te scoren. Heeft Jovelic dat? Merk je dat op training dat ja. Het een geboren goalgetter is? Een man ja. Die je zoekt misschien? Ja. Ik ken maar één ding voor de goal. Dat is een dichte. Hij geeft niks meer af. Allee, hij geeft ze wel af, maar alleen als hij niet kan scoren.